Il est 19h partout en Côte d'Ivoire et c'est l'heure de l'actualité sur Abras TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information. Voici les titres à la une de l'actualité. Dans la commune d'Adjamé, nous assistons à la mise en route du programme communal pour les jeunes PCJ. En société, en Côte d'Ivoire, arrêté des woro-woro pour cause de déploiement de la vidéo-verbalisation. Et puis, pour cette 13e édition de FEMUYA, le groupe Magi System annonce la construction de 2 écoles pour cette édition. En fin d'actualité, Afro Basket 2021, les éléphants regagnent à Abidjan avec la médaille d'argent. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, dans la commune d'Adjamé, mise en route du programme communal pour les jeunes. Le mercredi 1er septembre 2021, en présence du député maire Soumaoro Farik, du président du CNJCI Ibrahima Diabaté, du directeur régional de la jeunesse d'Abidjan, de la directrice régionale de l'AEJ, du directeur Sekou Ouattara des services socioculturels et de plusieurs personnalités, s'est tenu à la salle de conférence de la mairie d'Adjamé, l'atelier de formation des agents d'opération du PCJ. Ces agents issus de la vie associative, dont le rôle est de cartographier, d'identifier et de catégoriser les usines, les entreprises, les banques, les pharmacies et les commerces, ont été informés sur les techniques de prospection des entreprises et au suivi des jeunes insérés. Dans le domaine de l'éducation, bonne nouvelle pour les parents d'élèves de la direction régionale d'Abidjan 2 en cette rentrée scolaire 2021-2022. Dans un communiqué, l'ECPELI Florence informe les chefs de structure qui auraient déjà encaissé des sommes quelconques sont tenus de les restituer immédiatement à ses parents et les exhorte à prendre en compte l'inscription en ligne. Par conséquent, en dehors de l'inscription en ligne, aucun frais pour quelque prétexte que ce soit, t-shirt, livret, carnet de correspondance, photo, cotisation exceptionnelle ne doit être exigé aux parents d'élèves, précise-t-elle. En Côte d'Ivoire, rareté des woro-woro pour cause du déploiement de la vidéo-verbalisation. Le déploiement officiel de la vidéo-verbalisation est effectif depuis hier matin, comme annoncé la veille par Amadou Koné, ministre des Transports. Pour la première journée, l'on assiste déjà à des longues files d'attente dans les gares. Les 3/4 des véhicules banalisés qui font les livraisons à Bobo Plateau, Plateau Yepougon, Plateau Cocody, Bingerville, etc. ont disparu de la circulation. Désormais, les manquements au code de la route sont donc constatés, enregistrés et sanctionnés. Malheureusement, nombreux sont les véhicules de transport interurbain qui n'ont pas de documents mais ils circulent à Abidjan. Par ailleurs, alors que sont attendus des projets de transport alternatifs à l'image des téléphériques, les usagers craignent une augmentation du prix du transport avec cette rareté de véhicules liée au déploiement de la vidéo-verbalisation. Poursuivons ce journal avec la 13e édition du FEMUYA. Pour cette édition, le groupe Magi System annonce la construction de 2 écoles. Le groupe Magi System, initiateur du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo FEMUYA, a procédé à la pose de la première pierre des 2 écoles lors de la cérémonie d'ouverture de la 13e édition du FEMUYA. Le FEMUYA, au-delà d'être un festival musical, est un festival dont la colonne vertébrale est le social, a déclaré Salif Traoré, dit à Salfo. L'inauguration se fera l'année prochaine et les écoles porteront le nom Magi System, comme les autres écoles et centres de santé construites par les grands noms du Zouglou en Côte d'Ivoire. Reporté 2 fois à cause de la pandémie à coronavirus, le festival reçoit le Sénégal comme pays invité et plus de 20 artistes sont attendus à cet événement culturel.
Par ailleurs, un centre de vaccination a été mis à la disposition des différents festivaliers pour freiner la contamination du virus. Dès à présent, faisons un tour à l'international. La situation en Guinée, née du coup d'État intervenu le dimanche dernier, s'invite en urgence à un sommet virtuel extraordinaire des chefs d'État de la communauté demain jeudi 9 septembre 2021. Avant la tenue de ce sommet, la CEDEAO a condamné le coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé, réclamé sa libération inconditionnelle et le rétablissement de l'ordre institutionnel. Pour rappel, le président de la Guinée, Alpha Condé, a été arrêté suite à un punch orchestré le dimanche 5 septembre dernier par le nouvel homme fort du pays, le colonel Mamadi Doumbia, ex-légionnaire de l'armée française. Terminons ce journal par le sport football éliminatoire mondial 2022. La Côte d'Ivoire bat le Cameroun. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu les lions indomptables du Cameroun 2-1 ce lundi soir lors du deuxième tour des éliminatoires pour la Coupe du monde de football au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Devant 10 000 spectateurs, la Côte d'Ivoire, efficace, ouvrira rapidement le score sur pénalty et ne tardera pas à doubler la mise sur ses deux principaux temps forts offensifs grâce à une efficacité asphyxiante de Sébastien Haller. Une victoire précieuse qui place les éléphants en première position de la poule D avec 4 points. Toujours en sport Afro-Basket 2021, les éléphants ont regagné à Abidjan avec la médaille d'argent. Le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'Économie Sportive, Paulin Claude Dao, et plusieurs supporters ont accueilli les éléphants basketteurs à leur retour de Kigali dans l'après-midi du mardi 7 septembre 2021. Après un brillant parcours à Kigali lors de la 30e édition de l'Afro-Basket, les éléphants de Côte d'Ivoire ont regagné Abidjan avec la médaille d'argent. Les vice-champions d'Afrique ont été accueillis au pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par leur ministre de tutelle, des membres du comité de soutien aux éléphants et des passionnés du basketball. Le ministre leur a traduit les félicitations du gouvernement ivoirien pour leur performance. Le gouvernement de Côte d'Ivoire et l'ensemble des populations sont fiers de vous. Vous nous avez fait rêver, a-t-il ajouté. Un dîner leur a été réservé dans le même jour. Aujourd'hui, mercredi 8 septembre 2021, ils ont été reçus en audience par le Premier ministre Patrick Achim. Demain, jeudi 9 septembre 2021, une grande cérémonie d'hommage sera organisée en leur honneur au Parc des Sports de Trècheville avec l'ensemble du mouvement sportif. Le président de la Fédération ivoirienne de basketball, Mahmoud Koulibaly, et l'ensemble des joueurs ont à leur tour traduit leurs remerciements au peuple de Côte d'Ivoire pour leur soutien. Et c'est la fin de ce journal. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et retrouvez ce samedi Aïda Sek pour une nouvelle page d'information. Merci à toute l'équipe de l'œil d'Abras. Merci à notre cadreur et monteur Farid Chanon. Merci à vous également mesdames et messieurs de nous avoir suivis et restez scotchés sur Abras TV.